Voici une autre variété d'amarante sous mes pieds ici. Il s'agit de Amaranthus viridus, eh bien, qui est une plante annuelle aussi, herbacée, à tige normalement dressée, hein, mais vous voyez que ce tronc, selon le support, le type de sol sur lequel il va se trouver, il est plus ou moins contorsionné. Hein. Et là, on voit celui-là qui part presque horizontalement. Donc, le fait que la tige soit dressée ou plus ou moins ramifiée dès la base ou rampante, ça va dépendre un tout petit peu du support. Nous sommes dans un endroit, ici, un sol assez argileux et près d'un barrage. Et donc, le sol est assez humide aussi. Ce qui fait que la plante va trouver très facilement de l'eau dans le sol et va avoir tendance à évapotranspirer rapidement. Et pour compenser cette abondante disponibilité en eau, elle va émettre plusieurs branches qui vont aller dans tous les sens. Donc Amaranthus viridus va avoir une hauteur, bon ici on a à peu près hein, 40 cm, mais on peut rencontrer des pieds jusqu'à 80 cm. En général quand même, c'est un peu plus court que l'amarante améliorée, c'est-à-dire la variété qu'on a appelée, la queue de loup, hein, qui est beaucoup appréciée. Celle-là aussi n'a pas d'épines en fait, mais on peut faire une distinction tout de suite hein, avec l'amarante améliorée. C'est que le tronc est parfois strié d'une couleur plus ou moins, disons, violacée. Donc c'est verdâtre, vert clair, avec des tons violets. Mais ces colorations ne sont pas des critères très stricts parce qu'il y a tellement de variétés. Plutôt, il faut regarder du côté des feuilles. Les feuilles ici sont généralement plus petites. Hein. Même si, en fait, il s'agit aussi de feuilles alternées. Là, on voit une feuille, on voit une autre feuille là. Elles sont alternées. Elles ne sont pas disposées de manière opposée. Mais nous pouvons voir, comme sur l'amarante, l'Amaranthus hybridus, hein, c'est-à-dire la variété, disons, améliorée, nous pouvons voir que les rameaux, les jeunes rameaux sortent aussi à l'aisselle des feuilles. Hein, voilà, la feuille est là, et puis le jeune rameau est sorti là. Et là, on voit également un autre exemple, là, la feuille est là, et le jeune rameau est sorti à l'aisselle de la feuille. Alors, donc, on retrouve cette constante, mais la feuille, on peut voir ici, est beaucoup plus petite, même si le pétiole est également long. Là, un pétiole de combien? De l'ordre de 4 cm, non, 3 cm on va dire. Tandis que la feuille à la partie supérieure a une nervuration plus ou moins déprimée, mais qui reste quand même assez visible. C'est imprimé, disons, en creux, tandis que c'est imprimé en relief au dos. Et on peut compter combien de paires de nervures secondaires. Je vais prendre des feuilles peut-être un peu plus grandes, hein, avec ce pied que j'ai arraché. Là, voilà, là, les nervures sont plus ou moins évanescentes. Et quand on compte au dos, elles sont imprimées en relief. Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, une douzaine de nervures secondaires aussi. Et la feuille, on voit la forme. Hein, hein, elle est ovale également, hein, même si elle est fortement acuminée, hein, pointue vers le bas et vers le haut. Et là, on ne le voit pas très bien, mais ici, il y a un mucron, une petite aiguille qui termine la feuille, dont la partie supérieure est un tout petit peu rentrée, mais au milieu, en réalité, on voit, c'est pas très visible, hein, mais en regardant de près, on va voir qu'il y a une petite aiguille qui termine, qu'on appelle mucron. Alors, quand on regarde la largeur de la feuille à la partie la plus élargie, qu'est-ce qu'on constate? On constate 4 cm, et la hauteur, ou la longueur, si vous voulez, c'est 7 cm. Donc, c'est plus petit quand même que sur les feuilles développées de la variété hybridus. Alors, au fur et à mesure que la plante se développe, on va avoir une inflorescence aussi qui va se présenter en bout de rameau, et surtout en extrémité de la tige principale, ou des tiges principales, s'il y en a plusieurs. Voilà. Voilà. Donc, C'est des épis, ces espèces de mousse empilées. Mais l'inflorescence sur cette variété, Viridus,
est moins dense en fait que sur la variété hybridus, hein, qui est la variété améliorée. Mais c'est le même principe là, on voit ces fleurs qui sont empilées. Et quand on égrène, hein, on enlève, hein, on arrache sur les pieds mûrs et qu'on frotte un tout petit peu, hein, on voit les graines noirâtres, c'est les mêmes espèces de petites graines. Peut-être qu'ici, ce n'est pas tout à fait à maturité encore, donc on voit moins les graines. On voit surtout la mousse, mais voilà, ça a une tendance un peu. Voilà, on voit la coloration noire, ça, c'est les graines qui vont apparaître. Voilà, encore une graine ici. Et ça, ce n'est pas tout à fait mûr. Et donc, c'est des graines de l'ordre de combien? 0,5 mm, quoi. C'est de toutes petites graines. Et donc, que l'on va retrouver chez cette plante. Et donc, il ne faut pas confondre, hein, avec sa cousine, c'est-à-dire la queue de loup, ou d'amarante améliorée. Et celle-là, il y a certaines populations qui la consomment, mais elle est moins consommée, elle est moins prisée, parce que les feuilles sont plus petites et moins abondantes que l'amaranthus, disons hybridus. Alors, mais ce que nous venons de donner comme description, hein, notamment la façon dont les tiges sont faites, ici les feuilles sont vraiment glabres, hein, et la tige aussi est glabre, et cette coloration, disons, même si ce n'est pas un critère absolu, de vert clair mélangé avec un peu de rose, hein, ça devrait permettre de pouvoir reconnaître cette variété qu'est Amaranthus viridus. Maintenant, nous allons donner quelques noms dans les langues locales. Alors, dans les langues locales, beaucoup de langues locales vont confondre en fait les amarantes. Hein. Par exemple, dans la langue des Malinké, eh bien, on va appeler ça encore, hein, comme la variété, disons, hybridus, on va appeler viridis, Amaranthus viridis. On va l'appeler, disons, boron. Hein. Certains Malinké, les Malinké de la Guinée vont l'appeler boron. Du Mali, c'est pareil. De la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, hein, toujours boron, boron wonintan, ou encore l'amarante sans épines. À ne pas confondre avec la variété améliorée, et à ne pas confondre aussi avec la variété qui a des épines, qui serait plutôt l'amaranthus spinosus. Eh bien, en Guinée, chez les Kissi, ils vont appeler ça fonolo, tandis qu'au Togo, en Ewé, on va appeler ça tete wili wili, hein, ou bien encore nagbangze. Tandis que toujours au Togo, les Kotokoli, Tem, vont appeler ça Karatitu. Karatitu. Au Bénin, en Fon, on va l'appeler Tetemoto. Et en Mina Gen, Aying Banyen, ou Tete Wuli Wuli. Alors en Yoruba, là-bas, Yoruba Nago, on va appeler Tete Kereke. Les Jassanti, qui sont en Côte d'Ivoire, vont appeler ça Fanko Kore. C'est juste quelques noms tirés de la littérature. C'est sûr que cette plante aussi est très riche en fer, hein, donc conseillée pour les régimes riches en fer. Mais nous avons dit à plusieurs reprises que c'est moins consommé que sa variété qui est plus abondante, plus productive, qui est l'Amaranthus hybridus. N'empêche que c'est une variété que nous devons reconnaître aussi dans notre environnement et faire tout notre possible pour préserver dans notre biodiversité.